l'automne, c'est vendredi 25 octobre. Alors là, accrochez-vous, parce qu'il y a des saints. Enfin, des saints. C'est la Saint Crépin. J'ai noté parce qu'il y en avait. Accrochez-vous, hein. Crépin, Boniface, Crépinien, Anguenan ou Anguerrand, j'arrive même pas à me relire, et Ile-de-Marc. Bonne fête à vous tous. Boniface, j'ai déjà entendu. Crépin, Anguerrand ou Anguenard, j'en sais rien. Ile-de-Marc, voilà. Faudrait que je vérifie des fois, parce que pourquoi ces dessins, ces personnes? Bon, et eh ben merci beaucoup pour tous les messages que vous m'avez laissés dernièrement. Pour celle d'hier, j'ai répondu aujourd'hui. Je ne suis pas venue avant parce que là, il doit 17-18 heures. Parce que j'avais rendez-vous chez le médecin parce que je suis complètement hors sujet, on va dire. J'ai une belle poussée en ce moment qui ne me lâche pas, d'où la fatigue. Donc voilà, bon, bref. Du coup, c'était journée course, ophtalmo, changement de lunettes. Alors là, vous voyez ça, dans 10 jours, c'est terminé. D'autres lunettes. Pour ça. Ah, maintenant, normalement, je n'aurais plus besoin de faire ça. Donc voilà, changement de lunettes, c'est fait, médecin, c'est fait. Et il a fait beau, il a fait. Oh, c'est très français, il a fait beau. Qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui? Il a fait beau, ça se dit ça? Non, je crois pas. Donc tout ça pour vous dire merci pour vos messages, et c'est pour ça que j'ai répondu là en début d'après-midi, enfin, je ne sais pas à quelle heure. Je vous remercie tous et tout le monde voulait avoir des nouvelles de ça. Donc depuis quelques jours, je fais des tests. En rond, j'ai déjà testé ce que j'avais fait, un bandana qui est là. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, j'avais fait un bandana un peu au hasard sur deux fils de laine. Le gris, c'est... comment elle s'appelle? Ouais, la lumière est complètement pourrie. C'est fin de soirée. C'est de la Fonti. Et la blanche, c'est de la Icern. Elles sont là, mais... j'ai rangé, je ne me retrouve plus. Enfin, bref. Et j'avais fait ce bandana. Vite fait, hein. J'ai pas... Parce que ça se voit qu'il y a quand même des défauts à ce niveau-là. Au niveau de la couture, vous voyez. Mais c'est pas grave, c'est très doux, très agréable. Moi, j'ai une Centro qui fait combien d'aiguilles? Elle fait, je vais vous dire ça, c'est numéroté en fait. Il faut avoir une bonne vue. Hein. 20, 22. Moi, j'ai 22 aiguilles. Alors, le truc en lui-même, c'est du plastique. Ça bouge tout le temps quand on bobine. Selon la matière de la laine... Si c'est du coton, ça va bloquer. Ça bloque tout le temps. C'est chiant. Si c'est de la grosse... Selon la laine, en fait, la tension, elle n'est pas la même. Donc, il faut tout le temps vérifier sa tension. Il faut tout le temps le tenir à ce niveau-là. C'est pénible parce que on a le bras... Enfin, moi, j'ai mal au bras à force de tenir. En rond, c'est très facile. Mais en panel, ils appellent ça panel parce que... On a le bouton, le T pour le tubulaire et le P pour panel, pour le panneau en fait. En tube ou en panneau, en à plat. Alors, à plat, c'est compliqué parce qu'il faut tout le temps surveiller. Ça saute trois mailles, deux mailles. En fait, c'est celle-ci, il y en a deux qui se prennent pas. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Donc, il y a trois ou quatre mailles qui ne se mettent pas. Donc, il faut savoir à quel moment il faut... mettre le fil dans cette encoche là. Attendez, ici là, vous voyez, attendez, je suis où là? Là, ici, là, non, ici, 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 là, là, vous voyez, ici il y a une encoche dessous. En fait, il faut tout le temps glisser la maille dessous pour qu'elle s'accroche, pour faire passer la boucle par dessus. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et ça, c'est un peu pénible, et j'ai regardé plusieurs vidéos, il y en a beaucoup en anglais. Et ils disaient tous de faire attention quand on arrive à la fin, de faire mettre le fil bien sous l'encoche. Quand on fait d'un côté et de l'autre côté. C'est pénible à faire. J'ai fait plein de tentatives. Alors, j'avais essayé avec celle-ci. Celle-ci, ça ne va pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, je vais chercher celle-ci. C'est de la Icern coton. Ça va au bout de je ne sais pas combien. Mais le problème, c'est qu'il y a un rang... Il y a un bord, pardon, auquel c'est plus ou moins
entre guillemets joli. Vous voyez, le bord, il est plus ou moins joli. Mais l'autre côté, c'est une catastrophe. Il y a un côté où, en fait, ma difficulté, c'est de savoir à quel moment on s'arrête. À quel moment je dois faire passer le fil. Bon, là, il se défait parce que je ne l'ai pas fait. Ensuite, c'est hyper déjaugé. Hyper. Mais pour faire une écharpe, oui, ça devrait fonctionner. Il faut que je m'y mette. J'ai vu qu'il y avait une vidéo sur YouTube auquel elle fait une manipulation au crochet pour, à chaque fois pour le rang, pour les bords. Je pense qu'il faudra prendre du temps. Parce que entre faire les bords comme il faut, et il n'y a pas de contraint là-dessus. J'ai fait une vidéo, vous avez bien vu. J'ai foutu. J'utilise ça. Donc, à chaque fois que je vois le noir passer, j'appuie dessus pour savoir le nombre de rangs que je fais. Donc, ouais, c'était un peu chaotique. Ça m'a gonflé. Donc, j'ai repris, du coup, ma Centro. J'ai dit, je vais j'ai bougé la caméra. Réessayer en rond, en tubulaire, qui marche très, très bien. Et j'ai fait une citrouille. Le problème, c'est que c'est tellement déjaugé qu'on voit la ouate dessous. Vous voyez, c'est pas très 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 propre, hein, c'est la première fois que je le fais. Donc, je pense qu'une citrouille à la main est mieux qu'une citrouille avec ce panel. Ou alors d'avoir de la ouate orange, ou alors encore mieux, j'aurais dû mettre des morceaux de ça à l'intérieur. Parce que c'est joli sans être joli, c'est tiré en fait. Ou alors c'est à moi de le tirer, je sais pas. Je sais pas. Vous voyez, c'est hyper, regardez. C'est hyper distendu. Bon, après, j'ai chopé un truc dehors, là. J'ai collé avec mon pistolet à colle. Parce que j'ai des pistolets à colle. Oh, non, c'est pas vrai. Donc, voilà. Pour ma petite expérience Centro, je vais continuer parce que je vais essayer de faire une écharpe avec. Parce que je voulais prendre la 48 aiguilles. Mais je me dis d'abord s'entraîner là-dessus pour voir si j'y arrive mieux. Après, oui, effectivement, il n'y a rien de mieux que le tricot main. Hein, ça, il n'y a pas photo. Hein. Parce que c'est hyper, hyper déjaugé. Vous voyez, on voit plein et c'est tout aéré de partout. C'est moche sans être moche, mais bon. À moins d'enfiler... ouais, je sais pas. Alors, est-ce que c'est la laine qui n'est pas assez épaisse? Faut que j'essaye avec une laine plus épaisse. Parce que ça, c'est de la 4,5. Ça doit être une déca. C'est une déca. Il faudrait que j'essaye avec du worsted ou de l'art, hein, parce que j'en ai. Donc, je continue et puis je vous referai quand je continuerai à faire mon retour. Je trouve ça très joli. Je les mets au bord de la fenêtre de notre entrée dans les escaliers. Donc, je trouve ça très original. C'est rigolo, mais c'est moche, mais c'est rigolo, c'est moche. Donc, voilà pour la Centro. C'est assez complexe, je trouve, malgré ce petit... cette petite machine toute simple, toute légère, selon la laine et tout ce que vous dites. Des fois, vous voyez dans la vidéo, ça bloque un peu, quoi. Alors que normalement, ça devrait être plus fluide. Il faut y réessayer avec... Moi, je pense, je vais essayer peut-être avec celle-ci. Avec celle-ci. C'est un Bordeaux. Faudrait que j'essaye, puis je vous fasse un retour. C'est tout ce que j'ai fait. C'est très court en ce moment parce que je suis extrêmement fatiguée. Hier, j'ai fait... Ben, je vous ai dit le test, énormément le test du pull. Il est magnifique, ce pull. C'est juste magnifique. Il y a juste... là, on fait un truc au niveau du patron où je fais un truc parce qu'il y en a, ils ont... Je ne sais même pas si il y en a... Non, il y en a, ils ont... Personne n'a terminé. Il y a un truc qui... Je ne sais pas. Alors, j'espère que la fin sera bonne. Mais enfin, on verra. Je vous expliquerai, mais il y a un truc. Si c'est ça, ça va pas me plaire. Donc, je vais faire le patron parce que je lui teste. Je lui ai dit que je lui testais entièrement le patron. Et à la fin, si c'est vraiment ce que je pense, je ferai les photos, tout ça. Et après, je ferai mon truc à moi. Donc, voilà, parce que c'est pas un truc qui va me plaire. Je vous en parlerai quand il va sortir. Quand le patron va sortir. J'ai rangé hier. J'ai fait un ménage fou. J'ai fait du rangement hier. Un truc de fou. C'est peut-être pour ça aussi que je suis très fatiguée. Et ça commence à être la pagaille et j'aime pas ça. Donc, je vais finir de ranger tout ça. Je vais continuer à faire ça. Mais par contre, je ne vous reprends pas parce que je dois faire un petit gâteau. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo du gâteau. S'il est moche. S'il n'est pas moche, je ne vous le fais pas de vidéo. Moi, il faut que mes pâtisseries soient moches. Donc, voilà.
Voilà, pour ce qui est de la scène trop, je vais continuer à la dompter, comme j'ai dit à qui j'ai dit ça? C'est à Hélène. Je crois que c'est à toi, Hélène, j'ai dit ça. D'ailleurs, je fais un bisou à Hélène, je fais un bisou à Sandrine, je fais un bisou à Patricia, je fais un bisou à Litou, je fais un bisou à Marianis, je fais un bisou. Patricia, j'ai dit Hélène, Sandrine, Marie, Litou. Oh, Carmen. Enfin, je vous fais un bisou à toutes. C'est celles qui m'écrivent tout le temps, en fait. Donc, je vous fais un gros, gros bisou. Vous êtes adorables. Et Laurence, derrière sa télé. Donc, voilà. Je vais vous laisser là. Soit c'est fini, soit vous attendez 2 petites secondes et il y a une continuité sur le gâteau. Si vous voyez qu'il n'y a rien, c'est bon, vous pouvez éteindre la télé. Bon, les jeunes, je vais vous laisser. Je vous dis à demain. Soit samedi, soit dimanche. Soit samedi, dimanche. Dimanche. Vous avez compris? Soit je filme samedi soir, soit vous avez une vidéo samedi soir, soit alors vous l'aurez dimanche soir pour samedi et dimanche. Je vais voir. Allez, ciao les jeunes, à bientôt. Ne partez pas fâchés.